Oh merde! On peut vivre maintenant, putain! Putain, on t'a connu! Bonjour à tous, c'est Alex du Québec. Et oui, je suis tout excité. Enfin, j'ai chopé ma Wii U. Vous avez vu ça avant que cette vidéo commence. J'ai filmé la Wii U avec le pack que je me suis chopé. Ensuite de ça, j'ai eu Mario Kart 8. J'ai eu New Super Mario Bros. Wii U plus Luigi Wii U. Le tout. En plus de ça, je viens de découvrir que j'avais Donkey Kong Country Return, Tropical, je sais pas trop quoi là, dans la console, et le tout, les potes, pour 150 balles, merde. 150 balles pour Mario Kart 8, avec le volant spécial édition que je jouerai pas, c'est juste collector. Ensuite de ça, la version 32 gigs en plus, noir. Ah non, nickel, en plus, elle est nickel de chez Nickel. 150 balles les potes, je pouvais pas passer à côté de ça. Là elle vaut encore 299 plus taxes, elle revient à 350. Ensuite de ça, Mario Kart 8, il vaut encore dans les 60 balles. Hein. Et tout ça, tout ce bordel pour 150 putain de balles. C'est énorme les potes, c'est vraiment énorme. Et là, on va découvrir ensemble le Mario Kart 8, j'ai pas joué, et là, je suis tout excité, merde, et commençons immédiatement. J'ai à peine découvert la manette, comment qu'elle s'appelle cette putain de manette, la mablette, ou je sais pas trop, mais elle est vraiment, ben, vraiment bien foutue, je suis très surpris. Elle est pas trop lourde, les joysticks vont bien, même j'ai pas joué, les touches vont très bien. L'écran de la mablette est super nickel en plus. Il y a l'air d'avoir une putain de communauté quand j'appuie sur ici là, vous voyez. Il y a l'air d'avoir une putain de communauté sur la Wii U et ça j'adore. Et moi, comme je vous dis, je suis très excité là. Pour 150 balles, tout solo, c'est pas cher les potes. Et commençons immédiatement ce test découverte sur Mario Kart 8. Allez, merde. Et voilà. Ah, énorme. Énorme, énorme. Passons en plein écran. Ouais, ce test découverte ne durera pas trop longtemps non plus. Je sais pas, moi, peut-être 20 minutes. Pas plus. Je vais essayer de faire un circuit. Oh, j'ai vraiment hâte, là. J'ai vraiment hâte. Et là, c'est capturé. Ah putain, Mario Kart 8. Ouais, j'ai vu quelques vidéos, j'avais vu les vidéos du Hooper, mais pas trop, parce que je voulais pas trop me spoiler. Et très content, mais je n'en reviens pas les potes. Vous me direz dans les commentaires si à 150 balles, une Wii U, 32 gigs, avec Mario Kart 8, le jeu qui venait avec le pack New Super Mario Bros. Wii U et Luigi Wii U et Mario Kart 8 et le volant collector de Mario Kart 8. Dites-moi si c'est cher, mais moi je le sais que c'est pas cher. Non, je veux pas voir une démo du jeu là. Je veux commencer. Allez, merde. Là, ça charge. Je vais sûrement avoir une vidéo, je sais pas trop quoi. Et oui, je capture en standard parce que la Wii U, il y a le port AV en arrière vu que j'ai pas encore mon HD PVR. Et ça, c'est la prochaine achat du Alex. Bon, appuyez sur A. Voilà. Ah, je suis tout excité, la merde. Et j'ai hâte de jouer aussi au multijoueur. Si vous avez, pour ceux qui me suivent et qui ont des Wii U, si vous voulez m'envoyer des demandes d'amis, je vais les accepter. Et ça va me faire plaisir de jouer avec vous.
au multijoueur. Et ça serait cool d'en faire des vidéos multijoueurs de Mario Kart 8 également. Bon, on va prendre directement le solo. Voilà, non, je regarde dans la mablette là. Et dans l'écran là, ah, c'est bien foutu. Ça déchire, merde. Ça déchire. Ils n'ont que vont dire, oh la Wii U c'est de la merde, c'est de la merde. Moi je l'adore pour le moment. Et ça faisait très longtemps, je voulais la Wii U. Et là, pour 150 balles, je pouvais pas passer à côté. Bon, là on est à contre-la-montre, Grand Prix, courser, les batailles. Bon, on va prendre directement le mode classique, le Grand Prix. Et voilà, et moi je vais me la jouer petit pépère. On va prendre directement 50cc. Voilà, et là il y a sûrement d'autres personnages à déverrouiller évidemment dans ce Mario Kart 8. Oh non, c'est énorme. Ouais, évidemment, je vais prendre Mario, hein. Et voilà. Optidoki. Ah, ça c'est énorme. On peut choisir le bolide. C'est assez bien foutu. Il y a de l'air d'avoir. Oh putain. Mon Felici là. Merde. Ok, c'est mieux là. Ouais, parce que j'utilise un Y pour splitter le fil. Pour que j'aie l'image sur la télé. Et l'image qui capture en même temps sur le dazzle. Bon, ce que je disais, les bodés. Évidemment, il va sûrement avoir d'autres styles de karting. Et des pièces à déverrouiller. Là, je vais prendre le standard, comme ça. Et voilà, ouais, ouais. Là, je vois, en appuyant sur le plus, on a une loupe. Ah, putain, énorme. Ah, énorme. Ok, d'accord, on peut voir les statistiques. Ouais, mais comme j'ai dit, je vais prendre de base. Sous de ça, les roues. Ah, énorme. Oh non, c'est vraiment... c'est énorme, merde. Putain, je suis content, là. Je suis tout excité du slip, là. Il y a des grosses roues, merde, énorme. Bon, on va laisser en standard. Voilà, ensuite de ça, ça doit être quand on a des gros jumps de ouf et tout le kit. Ouais, je vais le laisser ordinaire, et voilà, avec le A. Et là, évidemment, vu que je découvre le jeu, j'ai jamais joué les potes, et je me suis dit, tiens, et oui, je vous avais promis un unboxing, mais non, il y a des millions d'unboxing sur le net. Et là, avant de faire ça là, j'ai pris une vidéo comme vous avez vu avant ça là, merde, j'ai de la misère là, je suis tellement excité là, mais c'est pas grave, je m'en fous. Bon, on va prendre la coupe champignon. Voilà, ouais, ok. Ouais, j'ai hâte d'avoir comment ça se joue là avec la mablette et tout, si c'est une bonne prise en main. En tout cas, elle tient bien en main en tout cas. Ça pour ça, il n'y a pas de problème. Là, comme je dis, ce test découvert durera pas longtemps, hein. Je vais essayer de faire le championnat champignon, s'il n'est pas trop lent. Et voilà, coupe champignon. Là, j'ai hâte de jouer en HD. Là, je joue en standard, comme je l'ai dit, pour la capture. Et c'est beau, même en standard, c'est beau. Bon, coupe champignon. Allez, merde. Ça y est, première course. Allez, merde. Allez. Youhou. Ouais, là, c'est 50cc. Ah, énorme. Ah, le contrôle est nickel. Oh, putain d'OST de ouf, merde. Ok, d'accord, je connais pas les touches. Quand j'appuie sur le ZR, on peut faire ou le ZL. Ah oh, non, ok, d'accord. Ah oh, non, c'est énorme, merde. Énorme, putain. Désolé, je gueule dans le micro, là, mais je suis tellement... Ah, merde, le fils de pute. Je suis tellement excité, là. Ah, je savais même pas que j'avais chopé une plante carnivore qui gobe les fils de pute. Ah, merde. Allez, prends l'item, là. Ah, les carapaces. Ça, c'est depuis le tout premier. Et j'ai remarqué une nouveauté dans ce Mario Kart 8. On a les scénettes. Et ça, je suis vraiment content. Oh non, les feux d'artifice et tout, c'est énorme. Je crois avec le slide, on peut avoir un boost. Et oui, ah, c'est énorme. Là, je suis classé quoi, deuxième? Allez, merde. Même si c'est la première fois que j'y joue. Ah, c'est trop énorme. Sérieux, les potes. J'hallucine, merde. J'hallucine. Là, on est premier, mais c'est pas une fierté vu que je l'ai pris à 50cc. J'hallucine, les potes. Il est vraiment énorme. Je vois dans la mablette, il y a un gros signe de Mario. Je crois que c'est le klaxon. Ah, d'accord. Je sais pas si ça sert à de quoi. Voilà, la slide. Youhou! Ah, on peut le lancer encore par en arrière. Les choses, et voilà. Je crois qu'on peut... Non, on peut pas avoir plus de 10 scénettes. Ah non, je suis tellement excité, là. J'ai de la misère, les potes, là. Je suis tellement content, là. Ouais, ça faisait longtemps que je voulais me choper la Wii U. Et à 150 balles, solo, avec Mario Kart 8, Donkey Kong Tropical Freeze, mais qu'il est un que... Ouais, parce que je l'ai chopé usagé aussi, hein. Mais il est nickel de chez nickel, merde.
Youhou! Ouais, là on est premier. Raflu, je vais le prendre au moins à 100cc, merde. Là, il n'y a pas de challenge du tout. Ouais, vraiment content, je me répète, mais je suis vraiment content d'avoir chopé enfin la Wii U. Énorme. Mais, oh, énorme le Western. Oh, non! C'est quoi cette merde? Oh putain! Ça y est, il m'a chié dans mon écran, ce fils de pute. Ah, énorme, on a changé là. Les roues sont inclinées, je sais pas trop. Ah, c'est énorme, merde. Énorme! Graphisme déchire pour le moment. Oh merde, une carapace là! Ah là! Je me suis pris une carapace rouge dans le cul, merde, fils de pute de merde. C'est pas grave, hein. On est à 50cc. Ah non, j'adore, merde. J'adore, merde. Et ouais, comme j'ai dit tantôt, pour ceux qui ont les Wii U et qui aimeraient jouer avec moi en ligne à ce Mario Kart 8, je sais pas comment ça marche pour les demandes d'amis. Moi, je sais que j'ai lié mon compte Nintendo 3DS et ma Wii U. Ah merde! Fais attention là! Voilà, le dernier tour. Bon, mais mes impressions pour le moment, j'aurais dû pas le prendre à 50cc, mais le contrôle déchire. Le graphisme déchire, l'OST déchire, ce jeu a l'air à déchirer, ça race en 2 milliards de morceaux, désolé j'ai accroché le micro. Non, j'adore les potes, j'adore, merde, je suis tellement content. Et là comme que je peux voir dans le dans la mablette, on a la map, les positions et tout, oh non c'est vraiment bien foutu. La Wii U les potes déchire, il y en a qui vont dire oh la Wii U c'est de la merde. Moi, je l'aime pour le moment, surtout pour les exclus. Le prochain Zelda qui s'en vient, on va sûrement avoir un Metroid et tous les grosses putains d'exclus de Nintendo. Je vais tous les choper, merde. Je suis pas... j'aime tous les consoles, mais Nintendo, pour moi, ça a bercé mon enfance. Et tout le tralala, là, je m'emballe, je sais même plus quoi dire. Comme j'ai dit, ça durera pas trop longtemps. Je sais même pas, je vais terminer... Voyons, putain, je sais même pas si je vais terminer le championnat. Ouais, on enfile, merde. Voir l'effet saillant. Non, on va aller directement à course suivante. Ouais, là, ça se peut que vous entendez une tondeuse comme fond parce que ma fenêtre est ouverte. J'ai oublié de la fermer et le voisin passe la tondeuse. Et oui, il coupe le putain de gazon et ça chante dans ma putain de chambre. Et ça, ça me bouche automatiquement les putains de narines. Bon, là, je regarde pas l'écran. Coupe champignon parc aquatique. Oh merde, putain j'ai hâte de jouer en HD, merde. Là je joue en standard. Aussitôt que cette vidéo est terminée, on rebranche le câble HDMI. Il va sûrement avoir des turbos comme dans tous les autres. Ah, je l'ai manqué. Oh non, je suis vraiment content les potes. Vraiment content d'avoir chopé solo à 150 balles, merde. C'est donné, merde. C'est donné, merde. J'ai regardé les prix là. Oh, énorme! Énorme dans l'eau! Putain, ça déchire, merde! Ouais, comme je dis, j'ai regardé le pack que j'ai. Elle est 299 plus taxes. Ça revient à 350$. Ensuite de ça, j'ai eu le Mario Kart 8 avec le lot. J'ai pas déboursé un sou de plus. Et j'ai regardé le prix du Mario Kart 8. Il est 60 balles. Je n'en reviens pas, merde, comment que je suis chanceux. Vraiment, là. Youhou. Alors, il est énorme. Énorme, putain, qu'il est énorme, ce putain de jeu, merde. Je suis tellement content, je sais pas quoi d'autre dire, merde. Ah, oh, déjà, un tour de fait. Ouais. Oh, merde, saleté de connard, lui, en plus avec ça. Ouais, c'est la fête, merde. Ouais, comme je disais, je suis très content d'avoir chopé la Wii U à 150 balles avec le Mario Kart 8, le volant collector. De toute façon, vous avez vu ça avant que je commence le test découverte sur Mario Kart 8. Alerte! Oh, c'est trop énorme. Putain. Je sais pas quoi dire d'autre, les potes. Je sais vraiment pas quoi dire d'autre. Je sais qu'à 50cc, ça roule pas assez. Il n'y a pas assez de challenge. Youhou! Ouais. T'as une petite banane. Ouais. Je surkiffe les potes, je surkiffe et je me répète encore pour ceux qui ont la Wii U et qui suivent mes vidéos et qui aimeraient jouer avec moi en ligne à ce jeu. Et en plus je pourrais en faire des vidéos multi, ça serait déchirant. Oh énorme, oh merde, attention pas prendre ça dans les dents, oh énorme. Bon il reste déjà juste un tour. Allez merde. Ouais 50cc ça roule pas assez, c'est pour les débutants. Ouais, mais je voulais pas... Oh merde, je fais choper une banane. Je voulais pas avoir trop de difficultés. Oh merde, con. Ouais, mais moi, je suis une affaire.
Là, je vais les toutes les passer à 50 cc. Après ça, je vais les faire à 100 et 150 cc. Il y a sûrement le mode miroir également. Oh, énorme. Énorme, merde. Je surkiffe, merde. Je surkiffe. Rien d'autre à dire. Je suis vraiment content. Et là, aussi, j'ai hâte d'avoir le putain d'Elgato ou l'HDPVR pour pouvoir vous faire enfin des jeux de PS4 aussi également. Même si je joue pas trop à la PS4, je vous dis, j'y joue pas trop. Il n'y a pas de jeu encore de la PS4. Pour ceux qui veulent l'acheter, attendez. Moi, j'aurais dû attendre. Et voilà, on a terminé. Ouais, comme je disais, j'ai hâte d'avoir mon putain d'HDPVR ou le Elgato, je sais pas trop. Essayez de pas de payer trop cher en occasion pour capturer enfin en HD, putain de bordel de merde. Ouais, ceci dit, ouais, ça va être déjà la fin de cette vidéo courte du test découverte sur Mario Kart 8. Je voulais pas en faire trop une longue vidéo. Et puis, prochaine vidéo, je sais pas trop quand je vais la faire. Et puis, comme je me répète, pour ceux qui ont les Wii U, qui regardent mes vidéos et qui aimeraient jouer avec moi, je sais pas comment que ça fonctionne pour les demandes d'amis. Vous allez m'écrire ça dans les commentaires. Et puis, je vous remercie à tous et je vous laisse sur cette putain de belle image de ouf. Et je suis très content d'avoir eu la Wii U avec tout ce lot à 150 putains de balles. Et je vous remercie à tous encore. Et à la prochaine !